Salut tout le monde, c'est Argon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc là je me suis fait un petit fond vert, un petit kiff. Et voilà, donc sympa texture fond vert. Et du coup je suis là pour le j'apprends à build numéro 4, si je me trompe pas, oui. Numéro 4. Et du coup on va pouvoir faire la nouvelle construction du jour qui est, attention, qui est tout simplement, voilà, le Deadpool. On va faire Deadpool. Donc là, bon, on va remettre par exemple de la terre. Voilà, ça va pas donner un truc très beau graphiquement, mais au moins ça va pas éclairer comme ça et ça sera plus simple après pour se repérer. Donc, alors, tout simplement, on va commencer par choisir les blocs. Donc, en plus, ça charge en bas. On choisit les blocs, donc on a. Le rouge, on va trouver raide. Raide, pour moi, ça m'a l'air d'être peut-être celui-là. Celui-là, ou c'est le même. Oui, c'est le même. Celui-là, j'aurais dit, en vrai. J'aurais pas d'autre choix de rouge, sinon il y a celui-là en deuxième choix, sans doute. Parce que il y a l'autre rouge là qu'on pourrait voir juste là, mais qui serait pas bon. Ah, je me suis trompé de bloc. Ok, bah on va mettre grâce, voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, alors, ensuite, on a black, ou plutôt gray, je dirais en réalité. Donc, je sais pas. Bon, aujourd'hui, j'ai une connexion pourrie, j'ai l'impression, bien plus que les autres jours. Hop, black concrète, en vrai, c'est pas comme ça, du coup, ça doit être du gray. Voilà, du gris, ce gris-là, moi, j'aurais dit. Personnellement, celui-là. Ouais, en vrai. Ensuite, bah on a un. Je sais pas si c'est le même gris ou pas. C'est le même, ouais. Ensuite, on a ouais, bah, du noir, c'est bon. Donc la concrète pour que ce soit plus lisse, vu du ciel. Ensuite, donc après le noir, rouge, c'est bon. Le gris. Ensuite, on a du marron. Donc là, c'est brown. En brown, qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air parfait, voilà. Et du coup là j'ai essayé de me faire une difficulté un peu supplémentaire aussi pour un peu plus de détails, à ne pas afficher clairement les carreaux. Bon là on les voit quand même les limites, mais du coup je vais essayer de faire comme ça avec seulement ça comme ça. Et aussi du blanc du coup. Il me faut donc le blanc, voilà, du concrète blanc. Donc je vais pouvoir débuter. Il me semble, parce que là il me semble j'ai tout noir et tout blanc, marron. Là, là il y a une variation entre deux couleurs, entre deux gris. Si je regarde, j'ai quand même l'impression qu'il y a une variation entre deux gris, mais bon, j'en suis pas si sûr que ça. Donc là, on a un gris ici, et peut-être qu'on aurait un gris. C'est le même, ouais, c'est exactement le même. Donc, je sais pas quel gris on pourrait avoir d'autre en vrai. Si on essaie de raisonner comme ça, j'ai aucune idée. Ouais, bah il y aurait celui-là en vrai, mais je suis pas sûr non plus. Bon, ok. On va l'enlever et on va faire avec ce qu'on a ici. Never leaving you in the darkness, even.
Oups. J'ai fait un petit fail. J'ai oublié de faire le replace la terre. Du coup, je supprime le dessin. Je suis pas doué. Bon, bah, je vais le refaire, du coup, c'est pas grave.
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another. Alors bah voilà, j'ai fini de le refaire, donc là cette fois-ci je vais essayer le slash film, mais cette fois-ci je vais tester avant ici, genre par exemple. Ok, c'est nickel. Voilà, et là c'est un peu mieux. Je sais pas ce que vous en dites personnellement, moi je trouve ça mieux. Après je peux essayer de le mettre au milieu aussi. Maintenant j'ai bien remplacé, du coup j'ai bien rajouté en plus bah, de la concrète, du blanc quoi, pour bien rendre le truc. Donc là c'est juste pas assez clair par rapport à normalement. Donc là j'ai aucun pack de texture, donc c'est de base. J'ai pas trouvé de rouge plus clair en vrai, donc ça bah, ça aurait pas fonctionné. Et ça bah ouais, du coup c'est le plus clair que j'ai pu trouver pour que ce soit à peu près uniforme, pour que ce soit, pour que ça aille bien par rapport au dessin. Donc voilà, donc j'essaye de jour après jour de faire un peu mieux. Sachant que je sais que pour le moment c'est pas énormément du build, c'est juste pixel art. Mais je vais bientôt passer sur du build et essayer de construire des objets IRL. Genre je me suis dit bon, je vais essayer de construire un terrain de basket, mais j'ai pensé que le panier de basket ça allait être pour le faire détailler, ça allait être beaucoup trop compliqué. Voilà. Voilà. Parce qu'en plus il y a des modèles de pen basket en non détaillé sur, bah, sur Google Images et Internet. Et bah, ça me plaisait pas tellement de faire peu détaillé. De faire pareil que exactement comme ça. Donc bah, voilà, donc là j'ai fini mon Deadpool. Donc si vous avez aimé la vidéo. D'ailleurs là pour les vu que du coup vous avez pu voir que bah, j'ai fail entre les deux dès que j'ai fini la première fois pour changer de couche, j'ai fail. Bah voilà, donc ça a donné un truc chiant. Enfin j'ai dû le refaire du coup, et du coup soit je vais mettre les deux à la suite, sachant que la deuxième a été plus rapide que l'autre vu que je savais à peu près les blocs où les mettre, etc. C'était plus simple. Et du coup soit je peux faire ça, soit je verrai laquelle je prendrais par exemple entre les deux, ou si je prendrais un petit bout de celle-là et puis un bout de l'autre. Donc voilà, donc en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, même si elle est peut-être très longue du coup, et sans doute très longue, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous préviens d'ailleurs que bientôt je voulais mettre le j'en ai fait un record style live, mais vu que j'ai pas une assez bonne connexion, je peux plus faire le live pour la fermeture des piqûres. Et du coup je vais bientôt le mettre, sachant que je ne vais pas tellement le mettre, que je vais faire un petit montage à affronter quelques éléments dans le rush en fait. Et du coup voilà, bah, je vais flouter, bon c'est rapide, mais il faut les trouver sur les 2 heures de rush. Du coup vous verrez une vidéo de 2 heures qui apparaîtra dans quelques temps. Je vais essayer de la faire apparaître le plus tôt possible. Donc en gros dès qu'il n'y aura pas de vidéo de chaque jour qui sera publiée, j'essaierai de la publier un petit peu. Et puis il y aura certains pourcents chaque jour qui vont augmenter, donc 10% chaque jour peut-être, ou un truc du genre. Et du coup on verra bien quand est-ce qu'elle pourra être publiée. À la limite je vous préviendrai dans d'autres vidéos si je vois que ça avance ou pas par rapport à l'avancement de la publication, vu qu'elle est vraiment très grande et que j'ai pas de connexion vraiment ouf. Genre 20 minutes de vidéo, je peux mettre 8 heures à la publier. Bon bah voilà, en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darbo. Tchuss.